Bonsoir à tous et bienvenue au 19h. À la une, la problématique de la gestion des ordures ménagères dans nos cités. L'exemple du jour nous vient de Bati où, à l'absence de bac à ordures ou de centre de gestion des déchets, la rue est devenue un dépotoir. Une situation dont la population refuse d'endosser entièrement la responsabilité en indexant la municipalité. Le constat à faire dans ce journal. Et puis, mobilisation dans la région du Nord autour de la promotion du dialogue interreligieux. Un projet né à cet effet devrait engager les différentes communautés religieuses de la région. Sur le terrain, il s'agira d'actions de sensibilisation et d'éducation afin d'endiguer l'extrémisme violent et la radicalisation. Merci de nous suivre. À la faveur de l'urbanisation et ses corollaires, l'assainissement et la gestion des déchets sont devenus une préoccupation majeure dans nos cités. Et Bati, dans la région du Sud-Ouest, n'y échappe pas. Dans cette ville, la rue et les espaces publics sont devenus des dépotoirs. Une insalubrité dont certains habitants refusent la responsabilité en pointant du doigt la municipalité. Le constat est fait pour nous par Oumarou Sagnon et Issia Kanana. Des restaurants qui côtoient des tas d'immondices. Des rues complètement obstruées par des ordures, des caniveaux entièrement bouchés. Nous sommes ici à Bati, chef-lieu de la province du Noumbiel. L'insalubrité gagne du terrain dans la commune au grand désarroi de ses habitants. Regardez, aujourd'hui les tas d'ordures à Bati dépassent les maisons qui sont à Bati, l'espace que les maisons ont occupé. Où allons-nous avec ces ordures? Ça ne donne pas belle image à la commune. Nous-mêmes, la jeunesse de Bati, on se demande le rôle du premier responsable de la commune est lequel. Dès le début, on a essayé d'intervenir en vain. On a même chassé des enfants même pour ça. Mais comme il y a d'autres femmes aussi qui ont l'âge de ta mère aussi, tu ne vas pas tout le temps être là. Bon, c'est toi, ne verse pas, ne verse pas. Bon, d'autres même, ils veulent faire par là, mais tu as fait comment? Ça bouche les ponts là. Donc quand il pleut comme ça, l'eau dévie carrément. Donc ça, c'est le deuxième pont qui nous sauve souvent, sinon l'eau rentre des fois chez nous. De la gare routière au marché central, en passant par le district sanitaire, bref, presque toutes les rues de la ville de Bati sont jonchées de détritus. La cause, selon les habitants, le manque de bacs à ordures. Ces ordures-là, il faut qu'on trouve un coin là où il faut évacuer ces ordures. Si la population doit, à chaque jour, se déplacer avec une petite saleté pour aller verser hors de la commune, c'est que ça ne pourra pas aboutir. Donc il faut trouver des poubelles déposées devant les maisons, comme cela on va mettre et puis la mairie va s'occuper de ça. Même si ce n'est pas pour racler, mais au moins envoyer un trisant conteneur pour venir déposer. Là, en fin de compte, si on met des ordures, il peut prendre aller verser ailleurs. Ou ça, au cas contraire, ils montent des coins dans différents quartiers où on peut verser, après ils vont venir ramasser. Débarrasser la ville de ses déchets, c'est le souhait de toutes ces populations qui disent craindre pour leur santé. Ici à Bati, il y a beaucoup de monde qui sont malades par lui. Chaque jour, à l'hôpital, c'est plein. Si tu pars, on te pique, c'est par lui. Je crois que c'est la saleté qui amène tout ça là. Donc vraiment, s'ils avaient mis appui sur ça, ça allait me faire plaisir. Et face à la situation, tous les regards sont donc tournés vers le conseil municipal. Et là où nous avons des projets dans ce sens d'assainissement, c'est de construire des bacs à ordures qui vont permettre, donc, lorsqu'on va faire le traitement, on va rassembler les ordures, de les mettre là-bas et pouvoir les évacuer hors de la ville. Nous sommes aussi dans la perspective de pouvoir acquérir un tracteur parce que la mairie ne peut pas se permettre d'acheter une benne. Nous sommes dans ce projet-là et je crois qu'en 2018, on pourra améliorer la situation de l'assainissement de la ville de Bati. En attendant la mise en œuvre incessante de ce projet, le maire de la commune de Bati invite ses administrés à plus de civisme et à se mobiliser pour débarrasser la commune de ses déchets tout en adoptant des comportements citoyens car il y va de l'intérêt de tous. Le chef de canton de la communauté Peul de Yaba dans la boucle du Mouhoun célèbre son premier anniversaire d'intronisation, une célébration qui a donné l'occasion de se pencher sur la question de l'éducation dans cette communauté essentiellement pastorale. Une conférence publique a donc été animée pour interpeller sur la nécessité de la scolarisation des enfants. On en sait plus avec Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Intronisé il y a un an de cela, Sa Majesté Sahibou Diallo, le chef du canton Peul de Yaba, fête déjà son premier anniversaire
et la cohésion intercommunautaire est au rendez-vous. Vous voyez aujourd'hui la mobilisation, elle n'a pas donc d'ethnie. Les SAMO sont là, les PEUL sont là. C'est donc de remercier donc l'ensemble de la communauté et en tout cas de prier Dieu pour que la santé et la paix puissent régner donc dans notre pays. Tout ce que nous vivons au Burkina, que ça puisse en tout cas trouver une issue heureuse et que les uns et les autres puissent mieux se comprendre pour parler le même langage. Le taux de scolarisation est trop faible dans la communauté PEUL et à cette occasion, le chef de canton a initié une conférence sur l'éducation et le pastoralisme dans l'objectif de donner une nouvelle forme au métier d'éleveur. S'ils acceptent d'envoyer les enfants à l'école, c'est très certain que le pastoralisme prendra une nouvelle forme. Une forme qui permettra une plus grande cohésion entre et les agriculteurs et les pasteurs nomades. Donc c'était notre objectif, faire en sorte que le pastoralisme soit un pastoralisme plus apaisé. C'est ce que nous souhaitons au niveau du gouvernement, qu'il y ait de telles personnes qui puissent effectivement informer, éduquer, communiquer avec nos bases, avec nos acteurs, afin qu'effectivement nous puissions comprendre ce qu'il faut faire pour que notre élevage soit développé. Et c'est dans ce sens que j'ai tenu à venir pour l'encourager et aussi encourager tous les autres qui voudront suivre le même chemin que lui, afin que nous puissions avoir des personnes de ressources dans chaque région, dans chaque village, dans chaque communauté, pour que nous puissions ensemble œuvrer à ce que l'élevage aille de l'avant dans notre pays. À la veille de cette cérémonie, à travers des prières, un hommage est rendu au défunt père du chef du canton, décédé en mai 2007. Dans la région du Nord, la mobilisation se fait autour de la promotion du pluralisme religieux sous la houlette du Conseil diocésain de la communication et Oxfam International. Un projet est né à cet effet. Il s'agira sur le terrain de mener des actions de sensibilisation et d'éducation pour endiguer l'extrémisme religieux et la radicalisation. Le projet met en contribution les différentes communautés religieuses de la région. Son lancement a eu lieu en présence de Constantin Ouedraogo, Zenabo Selenga et Herman Toé. Une prière à être compris, à comprendre. Pour confier à Dieu la réussite d'un projet porteur de paix dénommé Projet intégré de communication et d'éducation pour la cohésion sociale et le renforcement du pluralisme religieux dans la région du Nord. Il vise à fédérer les actions des leaders religieux et des acteurs de la société civile pour une société de dialogue et de respect mutuel. Ce qui existe déjà dans notre région, la paix, la cohabitation pacifique, l'entraide fraternelle, l'amitié, ce projet vise à ce que nous puissions maintenir cela, cultiver cela, renforcer cela, pour que ça ne nous échappe pas. Porté par le Conseil diocésain de communication, la mise en œuvre de ces projets va nécessiter l'engagement des acteurs de tous bords religieux, mais aussi l'accompagnement des autorités. Pensant que pour en tout cas développer le pays, il nous faut la paix, il faut la cohésion sociale. Donc pour nous musulmans, c'est une bonne chose. Et nous saluons en tout cas ces projets-là. Et nous prions Dieu pour que les acteurs puissent mener à bien ces projets pour le bien-être de toute la population. Nous allons nous engager fortement à accompagner l'exécution de ce projet sur le terrain parce que nous croyons à ce projet. Nous savons que ce projet va contribuer à améliorer la cohésion sociale. D'une durée de 18 mois, ce projet va concerner principalement 5 zones, à savoir Gourssi, Waïgua, Tiou, Titao et Séguéniga. Il a été financé par l'ONG Oxfam International à hauteur de plus de 120 millions de francs CFA. Religion toujours avec la communauté musulmane de Fada qui a célébré en différé la naissance du prophète Mahomet. Là aussi, l'on a parlé de cohésion, de paix et de tolérance. Lecture de Coran, récit de la vie du prophète et prière ont été les temps forts de cette commémoration. Le point avec Amidou Lankwande, Dahadi Banga et Ibrahim Sanou. Commémorer en différé à Fada Ngourman, c'est entre prière, lecture et récitation de versets du Coran que Maouloud est ici accueilli. Cette commémoration de la naissance du prophète Mahomet est une occasion pour les fidèles musulmans d'intégrer les valeurs propres à l'islam. Et c'est El Hadj Cheikh Abdoulaye Maïga qui en est l'initiateur.
Et le message phare, c'est que nous nous aimons, nous entraidions. C'est ce que le prophète a dit, c'est ce qu'il a demandé aux uns aux autres. Donc nous réitérons l'amour entre les gens. Également, c'est pour faire des bénédictions à l'endroit de tout le Burkina Faso, à l'endroit de nos autorités. Que Dieu fasse miséricorde à tout le peuple burkinabé et qu'il exauce nos vœux. C'est une tradition que nous sommes en train de perpétuer. La recherche de la cohésion sociale passe par l'intégration entre les différentes religions. Et les autorités communales en sont conscientes, d'où leur présence à cette fête. C'est une très bonne chose que nous puissions, chaque fois que cela est possible, accompagner les différentes communautés religieuses qui prient, qui travaillent pour la cohésion sociale, qui travaillent, qui prient pour la paix dans ce pays-là. Nous en avons besoin parce que nous traversons un moment de turbulence pour notre pays et rien de tel que d'avoir des personnes qui se soucient et qui prient pour tout le monde. Selon l'initiateur de l'événement, le Coran est une source de bénédiction. Il invite donc les musulmans à faire de leur quotidien la lecture des versets de ce livre saint. Allons à présent à la découverte d'une danse du terroir toussien dans l'ouest du Burkina. Il s'agit de la danse dite du charlatan, une danse exclusivement réservée aux sorciers et aux initiés et qui serait aujourd'hui menacée de disparition. Ce pan de la culture toussien, une association tente de le remettre au goût du jour. Drissa Traoré et Karim Cissé nous présentent cette danse. Ce sont là quelques pas de la danse du charlatan, une danse des terroirs toussiens. Wanzan Ouattara est l'une des rares personnes à maîtriser ces pas de danse. Militaire à la retraite basé à Toussien dans son village natal, il a aujourd'hui les 57 ans bien sonnés. Il faut être initié pour pouvoir danser ça. Et si c'est coutumièrement, mais si il s'agit d'aller se faire plaisir, si on vous autorise, vous pouvez le faire. Mais quand il s'agit de notre coutume que nous sommes en train de faire, même si tu es initié, tant que tu n'es pas ce domaine, tu ne peux pas danser ça. Voilà, ce n'est que les charlatans qui consultent consultations de CSE. Sinon, on a plusieurs charlatans. Cette danse qui, autrefois, faisait la beauté du riche patrimoine culturel toussien est de nos jours en voie de disparition. Une situation que l'association Keta Mafon déplore. Et aujourd'hui, elle tente à tout prix de la sauvegarder à travers le FESCUT, le festival culturel des Toussiens. Les enfants d'aujourd'hui ne savent plus ce qu'on appelle, par exemple, la danse des charlatans. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on appelle clair de lune. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que les enfants ne connaissent pas. Voilà pourquoi je dis que la culture toussienne, elle ne va pas trop bien. Mais nous sommes là pour remonter cette culture toussienne, pour la valoriser, pour montrer aux enfants, là, ça c'est chez vous, c'est ce qui se passe ici à Toussiana, puisque Il y a un mot qui dit, si tu ne sais pas d'où tu viens, là où tu ne vas pas arriver. Le défi de la sauvegarde de la danse du charlatan est grand. Et le promoteur du FESCUT le sait. C'est pourquoi il l'appelle à la mobilisation. Oh, les enfants sont adorables. Voilà qui met fin à ce 19h. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information revient à 20h avec Peggy Ouedraogo. À demain, même heure, même canal.